Aujourd'hui, dans votre émission 6 à 7, découvrez le portrait de Nathanaël Boursin, un jeune homme qui a été récemment élu dans le tout nouveau Guinness Book des records 2018, l'homme le plus nul du monde. Alors, Nathanaël, avant tout, en quoi ça consiste d'être le plus nul du monde ? Ben, c'est d'être nul absolument partout, dans tous les domaines en fait. Par exemple ? Nul à l'école, nul en sport, nul physiquement, nul mentalement. Enfin, vous pouvez mettre n'importe quoi derrière nul en tabouret. Mais c'est un objet. Oui, mais je suis comme nul là-dedans. Alors Nathanaël, l'écrivain et président de l'Académie Goncourt, Bernard Pivot, vous avez décrit en utilisant la métaphore suivante, une bonne grosse merde qui pue la chiasse. Ça vous a touché, non ? Oui, forcément, je l'ai mal pris, mais comme je suis aussi nul en réponse, je lui ai répondu « Merci beaucoup frérot, t'es trop le sang ». Vous dites que vous êtes nul également pour raconter la vérité. Vous pouvez nous en dire plus ? Oui, ben par exemple, un jour j'ai dû me rendre dans un bureau de police parce que j'avais été cambriolé, et arrivé là-bas, à la place de dire que j'avais été cambriolé, bah langue a fourché, et j'ai dit que j'étais responsable du génocide des juifs, de l'esclavage, de l'effondrement des tours jumelles, et que j'étais le chef de l'État islamique. Et donc, vous étiez venu en tant que victime, et vous êtes reparti finalement en étant condamné à combien d'années de prison ? 14 000. En plus de ça, vous êtes con, moche, inutile, et vous puez la mort. Alors Nathanaël, vous avez même été reçu le mois dernier à l'Élysée par Emmanuel Macron, qui vous a élevé au rang d'échec national. Qu'est-ce que ça vous a fait ? Moi, personnellement, une reconnaissance du président, ça m'a quand même fait plaisir. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a finalement décidé de vous le retirer. Oui, c'est ce qu'il a justifié dans un discours officiel à la télévision, programmé en urgence uniquement pour ça, dans lequel il a dit « Faire plaisir à ce déchet humain induit notre malheur à tous ». J'ai donc logiquement décidé de lui retirer sa distinction, mais également la nationalité française, et de lui sucrer ses grands morts tous les jeudis matins. Promesse qu'il a tenue ? Oui, tout à fait. Tous les jeudis matins, il se rend avec un convoi officiel de l'Elysée jusque devant la tombe de mes ancêtres. Il sort son sucré présidentiel, et dans le plus grand des calmes, il sucre mes grands morts. Alors Nathanaël, votre nullité vous a inspiré votre propre spectacle humoristique, qui est assez spécial puisqu'il ne comporte qu'une seule blague. Vous pouvez nous en dire plus ? Tout à fait. En fait, j'arrive sur scène et je dis « Ce matin, j'ai réussi un truc dans ma vie ». Et là, toute la salle explose de rire, des éclats de rire pendant près d'une heure non-stop en général. Puis après 7 heures, je commence à recevoir des premières insultes. Puis je reçois des lancers de tomates, de couteaux, du C4. Des snipers dissimulés dans la salle commencent à me tirer dessus. Tout ça évidemment accompagné d'insultes, notamment des « Casse-toi, sale noire ». Alors que vous êtes blanc. Oui, je suis le premier blanc à être victime de racisme anti-noir. En général, dans ces cas-là, la police intervient. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, forcément, dans ces cas-là, la police arrive le plus vite possible et ils rejoignent les snipers dissimulés dans la salle et me tirent dessus également. Tout ça à cause de votre nullité ? Au fond, est-ce qu'on peut dire que cet excès de nullité est le signe d'une certaine réussite dissimulée ? Non, d'accord. Alors Nathanaël, pour que les téléspectateurs vous cernent mieux, nous allons résumer votre vie en fait marquant. Donc vous êtes né le 3 septembre 1999 et aujourd'hui vous êtes là. On passe de suite à la rubrique suivante, le message personnel. Quelqu'un a pensé à vous et a souhaité vous adresser un message, regardez. Bonjour monsieur Boursin, je suis le docteur Pichon, votre médecin. Je tenais juste à vous annoncer que j'ai reçu vos analyses et que vous n'avez finalement pas de rhume, mais un cancer du corps. Comme j'ai la flemme de vous soigner, vous risquez de mourir bientôt. Allez, au revoir, monsieur Boursin. Je pense qu'on peut se quitter sur ces mots émouvants. Merci d'avoir été avec nous, Nathanaël. Où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Eh bien, tous les jours dans mon spectacle Je suis nul, et vous pourrez donc également me retrouver à mon enterrement le 13 février prochain. Merci Nathanaël, merci à vous. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Comme d'hab, pensez à laisser un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à partager cette vidéo en masse autour de vous. Si vous le faites pas pour moi, faites-le au moins pour Nathanaël. Là, j'ai eu Nathanaël au téléphone, il m'a dit « Lucas, si quelqu'un veut m'aider, il a juste à partager ta vidéo en masse, c'est absolument ouf !» Alors tous ensemble, soutenons Nathanaël. Allez, en tout cas, merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos.